Le lendemain, sur la route de Méovac, nous croisons d'étranges buissons qui marchent. Et des enfants tout sourire, heureux des modestes stylos offerts. L'escalier pour atteindre la tour du drapeau, de longue queue, est rude. Cette tour est perchée au sommet du mont Rong, surnommé le toit du Vietnam. L'inauguration a eu lieu le 25 septembre 2010. Le drapeau, qui symbolise les 54 ethnies du Vietnam, est d'une surface de 54 mètres carrés. Du haut de la tour, un panorama à couper le souffle, avec quelque part au loin, la Chine. La route à flanc de montagne devient étonnante, étroite, escarpée, raide. Elle se faufile au milieu des montagnes de plus en plus hautes et la vue devient saisissante. Nous atteignons le col de Ma Piling. Malgré la brume, les paysages sont époustouflants, où que l'on regarde, et l'on s'aperçoit qu'ici, la peur du vide n'existe pas. Les Hmong cultivent n'importe où, sur n'importe quelle pente, aussi raide soit-elle. Ils plantent du maïs absolument partout. Les enfants sont de la partie et notre arrêt photo ne passe pas inaperçu. Il y en a 10-12 qui arrivent. Ici, ils viennent de tuer le cochon et tous s'affairent au buclage à l'eau bouillante. Quant à votre serviteur, il déclinera l'offre. Perdu dans une vallée entourée de hautes montagnes calcaires et en raison de son isolement par rapport au reste du pays, Méovac est surnommé le nid d'aigle des Hmong noirs, ethnie minoritaire qui peuple cette région. Pour beaucoup de Vietnamiens, le nom de Méovac évoque le bout du monde.
Le marché aux bestiaux de Méovac se tient tous les dimanches. Justement, on est dimanche. Ce marché n'est pas seulement un lieu d'achat de vaches, c'est aussi un lieu de rencontre pour les différentes ethnies qui vendent ou échangent toutes sortes de denrées, y compris un alcool de maïs à déguster avec beaucoup de modération. La foule est très dense et colorée, et beaucoup de paysans doivent marcher des dizaines de kilomètres, escalader des montagnes, traverser des ruisseaux pour se rendre à ce marché. Sous l'œil averti de Sylvette, Anne négocie des mangues qui, malgré un goût sans pareil, seront dégustées un peu trop chaudes. Cette partie sera la plus mauvaise de notre séjour. 3 heures de route défoncée pour aller aux chutes de Bangjok et 3 heures au retour pour à peine 90 km. L'ambiance est restée cool, mais on ne savait pas encore. Il faut la grimper. Il faut la grimper et la redescendre. Naturellement, quand on trouve un bout de goudron, on essaye de gagner du temps. C'est peine perdue. Mais que fait donc la DDE locale? Je pense qu'il a des pneus. Oh, les sensations sur le film, c'est mal au cœur, rien que l'on regarde. Il pleut. Il pleut. Ouais, je pense qu'il a des pneus. À mon avis. En plus de la mauvaise route, nous serons bloqués par des dizaines de camions dans ce village frontalier avec la Chine. Ngựa của bà con chạy hết rồi.